Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer Native UI sur GTA V, donc le mode histoire, donc qui est une sorte de petit add-on pour certains modes, pour faire fonctionner certains modes. Je ne me connais pas plus là-dedans, mais voilà, je sais comment ça fonctionne, c'est tout. Donc pour ça, simplement, vous allez vous rendre sur le site donc, que je vous présente ici, donc le site GitHub qui sera en description. Donc pour y accéder, c'est simple, si vous. Enfin voilà. Ou si vous voulez y accéder par Google, vous tapez simplement Native UI GTA 5. Vous avez le premier lien qui est un lien GitHub. Vous cliquez dessus et vous avez tout simplement Native UI 1.9.1. Alors la version peut être plus récente pour vous, ça dépend. Il y a des. Bon, ici elle date déjà de 2019. Donc, ouais, ça fait déjà 5 ans, quasi, ouais, quasiment 5 ans. Donc ça m'étonnerait qu'il y en ait une autre. Donc vous allez simplement cliquer sur release.zip, vous faites un clic droit et vous allez simplement l'enregistrer. Alors bon, je l'avais déjà téléchargé, mais je vais l'enregistrer, c'est pas grave. Hop. Donc vous vous rendez dans les téléchargements. Donc vous allez chercher le fichier. Alors du coup, moi il est enfin, entre parenthèses, parce que j'ai téléchargé deux fois, mais on s'en fout, pas pour vous. Ok, j'ai mon PC qui fait de la merde. Ok, mon bureau a juste décidé de redémarrer, bon, c'est pas grave. Donc on va se rendre sur notre GTA 5, donc dans notre dossier GTA 5. Donc on va le chercher. Moi il est ici, ici et ici. Voilà. Donc quand vous êtes dans le dossier de GTA 5, vous allez simplement faire un clic droit. Vous allez faire nouveau, dossier. Et là vous allez nommer votre dossier scripts. Donc comme écrit juste ici. Donc avec cette orthographe-là. Et simplement dans ce dossier-là, vous allez y glisser, donc vous allez ouvrir l'archive WinRAR. Là, vous avez deux fichiers, donc nativeui.dll et 1.xml. Vous prenez ces deux fichiers-là et vous les glissez dans Script. Et voilà, on a terminé. C'est déjà fini. Donc c'est un tuto plutôt rapide. C'est un mode qui sert. Enfin, c'est un add-on, je veux dire, qui sert à plusieurs modes, comme par exemple add-on Paint. Je vais faire un tuto. Enfin, bientôt pour vous présenter ce mode-là. Et donc voilà, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!